retrouve aujourd'hui avec un unboxing d'un DP que j'ai reçu de la part de Diamond Art Gift. Donc c'est un DP que j'ai fait faire en perso. À chaque fois que je publie mes vidéos en fait sur YouTube, ils me disent de rechoisir des produits. Donc j'avais fait déjà une rose rouge. D'ailleurs j'ai publié la revue sur la chaîne. Je pourrais vous mettre une photo du DP fini à l'écran si j'en ai une, j'espère. Et je pourrais vous mettre le lien vers la revue juste ici. Si vous voulez aller la voir, donc c'était en diamant rond. Et il me semble que j'avais fait un perso en diamant carré, mais les DP en diamant carré, normalement, je les fais pas en DP de télé, donc je vais les faire plus tard. Et c'est ça, donc là, il m'avait recontacté le 7 juin, donc j'ai décidé de refaire un perso, parce que j'étais extrêmement contente avec le premier perso que j'avais fait avec eux et que j'ai terminé. Donc ils m'ont dit oui, ils me l'ont envoyé le 9 juin et je l'ai reçu le 12 juillet. Ça a pris un peu plus de temps cette fois à recevoir, mais je pense que les persos, ça prend toujours plus de temps parce qu'il faut qu'ils les produisent. Donc l'image qu'on va regarder, c'est celle-là. Je pense que c'est une pivoine, encore une fois. Mais j'adore ces fleurs, donc l'image, je l'ai prise de Pixabay, comme d'habitude. Et l'artiste, c'est Marissa04. Je l'ai pris en diamant rond, encore une fois, en 40 par 60. Et le prix pour un 40 par 60 sur leur site, c'est 27,99 $. Donc voilà ce qu'on regarde. Donc comme d'hab, c'est arrivé dans ce genre de packaging avec le DP qui est là. On ne va pas faire de test parce que bon, ben, y a déjà une revue, donc ça va vous donner une idée. Moi, je veux voir si en commandant plusieurs fois, en fait, on a le même type de qualité. Et j'étais contente, donc c'est pour ça que j'ai refait faire un perso, comme je vous l'ai dit. Alors, on va ouvrir ça. On va la mesurer aussi. Je ne me rappelle plus avec la rose rouge si c'était la taille de l'image, la taille de la toile, mais on va regarder tout ça ensemble. Alors, ah, j'ai du mal à l'enlever, voilà. Oui, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais parce que j'ai reconnu le numéro de suivi. Donc voilà. Vous voyez, ils ont mis l'image originale là avec la liste de couleurs. Ça déjà on peut le voir. Il y a 23 couleurs. Et le DP, on va le découvrir ensemble. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Il faut juste que je mette la toile comme ça. Oh là là, my god, ça va être beau ça encore, je pense. Oh, regardez ça. Waouh, elle est belle à la caméra. Mon dieu. Voilà le DP. Oh, je pense que ça va être magnifique ça. Regardez encore une fois les dégradés. C'est ça qui m'avait beaucoup plu avec eux. Sur le DP que j'ai fini de la rose rouge, les dégradés étaient très subtils, très jolis. Et du coup, on avait un effet tout à fait naturel. On a un toolkit de base avec un plateau vert, des sachets refermables, une cire, bon elle est transparente, hein, je ne sais pas si je vais la garder, et un stylet. La toile elle est là, les diamants, est-ce qu'on a bien du rond? Oui, j'ai bien du rond. Regardez cette palette de couleurs. 100% approuvé. Beaucoup de blanc, mais en même temps, ben, y a beaucoup de blanc dans la toile. Je vais juste descendre un petit peu la caméra pour que ça soit plus pratique pour moi en fait. Que ça soit plus proche. La voilà encore une fois. Oh, elle est très belle. Très 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 belle. Donc je prends une règle. On va juste l'aplatir. Un petit peu mieux. C'est de la colle coulée. Oui, ça colle. Donc vous voyez, j'enlève la fiche à peu près jusqu'à la moitié du DP. Je tire un peu le DP pour l'aplatir un peu plus. Et je remets la fiche avec une règle pour être sûr de ne pas créer de bulles d'air ou de plis en remettant la fiche. Oui, j'ai créé un petit pli là, mais je me demande si ce n'est pas un pli dans le plastique. Là, et on va faire la même chose de l'autre côté. En même temps, ça l'aplatit un peu plus quand je fais ça. On dirait que la toile se présente de la même manière que ma première toile que j'avais commandée chez eux et que j'avais fait en perso. Beaucoup de rose là-dedans. Je vais m'éclater. Une de mes couleurs préférées en DP, c'est le rose.
Voilà. En revanche, là, je vois que j'ai créé une grosse bulle d'air. C'est beaucoup mieux. Voilà. Elle est beaucoup mieux, là. Nickel. Donc, la revoilà. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la toile? Je vais peut-être déplacer un petit peu la caméra. On a un numéro de modèle. Est-ce qu'on le retrouve sur les diamants? Non, on ne retrouve rien du tout sur les diamants. Regardez ça, il n'y a rien qui permet de me dire que ça appartient à ce projet. Donc moi, il va falloir que je marque Diamond Art Gift. Je vais marquer Pivoine et je vais marquer aussi le numéro de modèle. Comme ça, je vais pouvoir... Enfin, je saurai que ces diamants appartiennent à cette toile. Donc, je l'ai demandé en 60 par 40. On va vérifier ça. On va vérifier si c'est la taille de l'image ou la taille de la toile au complet qui inclut les bords blancs. Alors, je vais regarder la hauteur d'abord. 39,5. Donc, oui, c'est vraiment l'image. J'ai un demi centimètre trop court au niveau de la hauteur. Ça, c'est pas grave. Et 59,5 au niveau de la largeur. Donc moi, je trouve ça tout à fait convenable. C'est juste un demi centimètre trop court de chaque côté. Donc c'est ça, je disais que je trouve ça très raisonnable. Luna, elle a aboyé comme une malade. Il fallait que je pose la vidéo. On a, comme je vous l'ai dit, 23 couleurs. Alors, comment se présente la légende? On a des chiffres et des lettres. Donc c'est alphanumérique. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on a les lettres A, C, D, F, G, H, J, K, N, Q, R, S, T, U, V. Et souvent, ce que j'aime regarder, c'est le 5 et le S. Parce que généralement, ça se ressemble. Donc, vous voyez, le 5, on l'a sur fond gris. Et le S, on l'a sur fond vert. Donc, ça, ça devrait aller. Et le reste, ben le reste ça va, hein. Le U et le V, ce sont deux couleurs bien différentes. Le V, je pense que ça va être un rose très 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 pâle et le U c'est un rose plus foncé. Et vous voyez, on a cette même légende ici en bas à droite. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer la qualité des symboles. Alors là, il y a pas mal de blocs de J, mais vous voyez comme ça se lit bien. On n'a pas de cercle autour des symboles. Pourtant c'est une couleur foncée, mais c'est bien lisible. Là le G, le 3, le 6, le S, tout se lit très bien. C'est ça que je dis, j'avais eu une excellente expérience sur ma première. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire faire un perso chez eux. Le V, le F, regardez comme c'est bien imprimé. Il n'y a aucun souci pour lire tout ça. Et vous voyez comme les dégradés sont beaux. Là, on passe par exemple du D au C, au A, au K. Vous voyez, donc il y a plusieurs couleurs là pour faire le dégradé. Donc ouais, c'est très beau. Et je vois, c'est ça, je vois les différentes sections. Et là aussi, regardez comme ils ont utilisé du A, du C, du D. Un petit peu en confetti là, et ensuite on passe au dé. Donc il y a quelques sections avec du confetti et quelques sections avec du bloc. Là par exemple, vous voyez, c'est un mélange de F et de V. Je pense qu'elle va être magnifique, cette toile, une fois faite. Et pour moi, elle rentre en portfolio. Donc ça, j'aime ça. Je crois que je peux mettre jusqu'à du 42 par 60 dans mon portfolio de taille moyenne. Donc ouais, ça sera définitivement un DP télé, c'est à un moment donné, mais. Là, maintenant, j'en ai beaucoup des DP télé. Donc, je ne pense pas qu'elle va être faite avant l'année prochaine, celle-là. Mais j'adore la conversion de cette image. Voilà encore l'image originale. Et vous voyez les détails même qui sont plus foncés, là. Eh bien, j'ai remarqué, on les voit hein, dans la feuille. Ou dans la fleur, juste là et là. Donc, ouais, ils ont bien respecté l'image originale. Là, on voit une feuille. On voit très bien ici, et là on voit aussi le reflet ou l'ombre d'autres feuilles que l'on retrouve aussi ici. Donc ouais, très 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 contente. Je recommande hein, les persos chez eux là en termes de fleurs.
Je trouve ça très beau. Il faudrait peut-être que j'essaye un portrait avec eux. Mais le truc, c'est qu'avec le budget qu'ils m'allouent, les portraits, ça serait plus cher. Donc, je sais pas comment ça fonctionnerait. Ou peut-être que moi, il faudrait que je le commande de mon côté, que je paye avec mon argent. C'est quelque chose que je pourrais faire dans le futur pour vous donner mon avis sur la conversion des portraits avec eux. Parce que pour l'instant, j'ai fait deux fleurs. Ouais. Donc, du coup, le même style d'image, de photo. Il faudrait que je fasse un style différent pour voir au niveau de la conversion. Au niveau des diamants, donc, comme vous l'avez vu, ils viennent en sachet refermable. Regardez cette jolie palette de couleurs. Elle est super, super, super belle. Je suis étonnée de voir un petit peu du beige là. C'est vraiment qu'on va le retrouver dans la fleur. Donc, je vais ouvrir ça et on va regarder la qualité des diamants. Il me semble que la première toile que j'ai faite, c'était des diamants en acrylique. Mais des diamants en acrylique de très bonne qualité. J'ai eu que très très peu de déchets, voire pas de déchets du tout. Et là, alors, je vais retourner la toile. Et vous savez quoi? On va faire un petit inventaire en même temps. On va vérifier qu'on a bien nos... Combien? Qu'est-ce que j'ai dit? 23 couleurs. Donc, c'est pas dans l'ordre, mais ça, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Donc, je vois le 1, le 2, le 3. 4, 5, 6. 7. Ça va vous donner une idée en même temps de la palette de couleurs pour ce défait si vous décidez de le faire en perso. Bon, maintenant, tout dépendamment de là où vous le faites, ben, vous risquez de ne pas avoir les mêmes DMC que moi. Il y avait les DMC hein, sur la légende. Oui, on a les chiffres DMC. Donc ça, c'est bien. Mais oui, ça va vous donner en gros une idée. Mais bon, c'est beaucoup de rose et de vert. Je vois qu'on a même un rouge là. Excusez-moi, je crois que c'est le bruit dehors. Ils font les trous pour la clôture là en ce moment. Et ça fait un petit peu de bruit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement, mais ouais, j'entends un bruit. Donc, c'est très certainement que vous l'entendez vous aussi à la caméra. Alors, j'en étais où? 14, 15, on a deux sacs. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. C'est ça, j'ai toutes mes couleurs. Et regardez cette belle palette de couleurs. Oh là là, c'est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Le rose, c'est ma couleur préférée, comme vous le savez. Et il y en a beaucoup. Il y a deux sachets de 11, deux sachets de 12, deux sachets de 15, qui est un... C'est quoi le 15? C'est le DMC 939. Ok, donc c'est un bleu. Je ne sais pas si on va pouvoir voir la qualité des diamants. C'est toujours plus difficile de vous montrer dans les couleurs foncées, mais ouais. Vous voyez, les endos sont plats là-dedans. Hein. Quelques endos piqués, les diamants, ça a l'air d'aller. J'en vois quelques-uns là avec des excroissances, mais en général, ça a l'air d'aller. On peut regarder le 12 pour lequel on a deux gros sacs. C'est un très beau rose, ça. Très, très beau. Je l'aime beaucoup. Moi, je le vois un peu plus rose que vous, à l'œil nu. Donc là encore, vous voyez, on a des endos plats. Mais comme je le dis, je pense que c'est de l'acrylique. Là, et le 11 aussi, on a deux sacs de 11. C'est joli comme couleur, ça aussi. Il y a quelques diamants qui ne sont pas beaux là, mais de toute manière, si j'ai un problème, je vous le mentionnerai dans les vlogs, pardon, quand je commencerai à la faire. Là, je vois des endos piqués en revanche. Mais il n'y a rien qui me fait peur. Si les endos sont beaucoup, beaucoup, beaucoup piqués et que le trou est trop gros, ce qu'il se passe, c'est qu'à l'endo, ben, la surface du diamant à mettre sur la colle, ben, elle diminue. Et du coup, ben, y a des chances de perdre les diamants. Mais là, non, c'est pas quelque chose qui me fait peur. On peut vérifier le rouge. Les sacs sont de bonne qualité aussi. Ça a l'air bien. Je vois encore une fois quelques côtés qui sont pas beaux sur certains diamants. Mais en général, ça a l'air d'aller. Donc voilà. Voilà pour ce DP. Donc oui, il y a... Combien de roses j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 roses. Un jour, un jour, oui, un rouge.
quelques verts, bien évidemment, pour la partie qui est verte. Couleur principale étant le 939. C'est rigolo parce que c'est bleu foncé le 939, mais ouais, c'est vrai que les couleurs plus foncées là, ça m'étonnerait pas qu'on ait ça. Et du coup, pour les couleurs plus claires, on a ces roses qui sont là, là. Et le rouge, ça m'étonne de le voir, mais en même temps, vous voyez comme cette section là, 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 là et là, c'est plus rouge. Donc je pense que c'est là qu'on va le retrouver. Ouais. J'aime beaucoup cette palette de couleurs. Je pense que je vais bien m'amuser avec ce DP. Donc oui, comme je l'ai dit, ça sera un DP télé. Sauf si c'est un DP qui va être choisi avec la roue quand je serai prête à faire un DP de petite taille en diamant rond. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc merci beaucoup Diamond Art Gift de m'avoir envoyé ce produit. Je l'aime beaucoup. Et moi, ce que je fais, comme je le répète très souvent, c'est que je reprends mes sachets et je les mets par ordre croissant. Comme ça, quand je vais faire la mise en boîte des diamants, quand je vais préparer les diamants pour commencer ce projet, je vais avoir mes diamants dans l'ordre, vous voyez, je les mets comme ça et je les remets dans le packaging original. Il va falloir que je mette, comme je vous ai dit, un petit papier pour m'indiquer que ça appartient à ce projet. Donc pas de feuille de route comme vous l'avez vu, mais bon, je veux dire, moi ça ne me dérange pas. Et étant donné que ce sont des symboles alphanumériques, je vais les écrire manuellement sur des petites étiquettes. Je ne vais pas faire de photocopie de la toile. Je fais des photocopies quand les symboles sont un peu plus difficiles à écrire, quand ce sont des symboles plus... comment je pourrais dire ça? Ouais, quand il y a des petits dessins ou des trucs comme ça, mais là c'est facile, ce sont des chiffres idéaux. Donc voilà encore une fois la palette de couleurs quand on la regarde comme ça. J'adore la regarder dans le sac. Donc voilà, je mettrai une petite fiche là-dedans. Et voilà encore une fois le DP. Donc ce que je ferai en dessous de la vidéo, c'est que je vous mettrai le lien vers Diamond Art Gift. Je vous mettrai le lien aussi vers là où vous pouvez faire les persos. Donc ils proposent plusieurs tailles. Ils les proposent en rond ou en carré. Ben, en diamant rond ou en diamant carré. Et je vous mettrai aussi le lien vers cette image si vous souhaitez l'utiliser pour la faire en perso. Voilà ce que je ferai. Donc regardez dans la barre d'infos pour les informations. Je ne sais pas si j'ai un petit code pour vous, un petit code de rabais. Vous pouvez regarder dans la barre d'infos, voir s'il y a peut-être un 5 ou un 10%. Je ne suis pas sûre avec eux. Mais voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Ou même de m'envoyer un email. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye !